pas, courez pas. Ne courez pas. Revenez, allez pas dans les petites forêts. Non. Sociaux du centre-ville. Il y avait les subventions de l'ANA. Il y avait des pilotages qui auraient pu être là. Il y avait la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain. On aurait pu essayer de tenir nos objectifs d'encart de logements sociaux. Mais non.
Ils n'ont pas voulu faire une vraie ville, avec ses habitants, mélangés, avec des équipements. Avec des écoles qui marchent. Stupides. Ils prennent pas l'eau. Alors maintenant, la ville vit dans un état de peur et d'angoisse extrêmement grave. Ce n'est pas rien. Quelle est notre angoisse? Notre angoisse est que notre immeuble nous tombe sur la tête. Notre angoisse est que les pouvoirs publics profitent de la situation pour virer le peuple du centre de la ville. La patinoire, on a gueulé, c'était nul. Le tramway sur le métro, on a gueulé, c'était nul. Les terrasses du port qui ont vidé tous les commerces du centre-ville, on a gueulé. Le stade, c'est une honte, on le porte tous là. Ils nous ont eu. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Nous sommes tout autant qualifiés que vous pour gérer cette ville. Cette rénovation doit se faire avec un pilotage citoyen. Nous devons les observer. Nous devons leur demander de rendre des comptes. Enfin, autrefois on croisait des amis sur le vieux port. Maintenant c'est pour les touristes. Il y a encore 2 semaines, on pouvait s'asseoir au réformé en haut de la canne d'air. C'était un salon pour les pauvres. Il y a encore 1 mois et 10 jours, on pouvait accéder au centre de la plaine. C'était le plus grand salon des citoyens de cette ville. Ce sera notre punition. Nous demandons l'arrêt du chantier de la plaine. Citoyens, ce n'est que le début. L'annonce du non-conseil municipal de ce matin est importante. On est en train de voir un vieux système de gestion municipale qui a 70 ans. On est en train de le voir hoqueter dans son vomi. On a dégagé.